wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flow. Vibrate the whole building, ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuo. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC. Et du coup, j'ai trouvé toutes ces femmes au bord de la route. Mais comme ma Aguera ne comporte que deux places et que je peux en prendre une, histoire qu'il n'y ait pas de jalouse, je vais tous les laisser. Hein, voilà. Vous allez vous faire foutre et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mode. Alors comme tout bon youtubeur qui se respecte, vous le savez très bien, on doit forcément avoir une très très bonne voiture. La dernière fois la BMW que j'avais prise ne vous a pas beaucoup plu, donc du coup je me suis dit bon allez, cette fois-ci la Aguera ça va forcément leur plaire. Mais avant de vous présenter la petite maison, le ranch très moderne et très sexy, très très joli, enfin bref tout ce que vous voulez, j'ai un petit truc à vous montrer, c'est dans le contexte du what. Oh merde, j'ai tué un lapin. Oh merde, lapinouche, t'es tué. Bon, j'ai téléchargé hier une arme et elle est tellement what. En gros, l'arme a été remplacée par un citron. C'est un citron, voilà. L'arme, c'est un citron. Bon, malheureusement, je tire pas des citrons. Ça aurait pu être vraiment what the fuck de lancer des citrons, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais bon, mon arme ressemble quand même à un citron. C'est vraiment loufoque et mes grenades aussi. Hein, voilà, je lance pas des grenades, je lance des citrons. Des citrons qui sont très très explosifs. Enfin bref. Bon, maintenant on va passer un petit peu à la map et à la maison. Donc vous pouvez déjà voir qu'il y a un petit endroit où on vient pour poser nos voitures tranquillement. Un joli parking où il y a déjà pas mal de mes voitures. Bon voilà, je voulais pas vous le dire, mais bon, j'ai pas mal de voitures. C'est vrai que j'ai gagné pas mal de monnaie. Normalement, c'est censé s'ouvrir. C'est censé s'ouvrir et je le touche et ça tombe. Voilà, je vous présente un petit peu ma garde-robe de voitures. Bon, tout ce qui est des voitures se situe exactement au même endroit que de la maison. Attendez, je vais juste la garer ici parce que c'est son emplacement. On va juste éviter et on va pas rayer les autres voitures. Voilà. Voilà pour mon petit parking. Bon, le seul problème, c'est qu'à chaque fois, je dois reprendre la porte et la remonter. Bon, c'est relativement long et chiant, donc je vais pas le faire. Mais voilà un peu mon garage extérieur. Donc, Kuruma, Range Rover, voiture militaire, limousine, au cas où j'ai des personnes, Tampa, des belles voitures. Et le buzzard d'attaque, au cas où il y a quelqu'un qui viendrait me faire chier. Ici, l'entrée de la maison. Avec encore une nouvelle fois des nouvelles voitures, Infernus, Caméléon, Aguera, ça je me souviens plus, Duck of Diff, ça c'est, je me souviens plus, je crois que c'est, je sais plus du tout son nom, des voitures classiques comme ça, je me souviens plus du tout de leur nom, la Hot Hawk Knife et celle-là c'est pareil, je me souviens plus de son nom, c'est pas grave. Donc voici mon ranch, il se situe, bon c'est sûr qu'il est encore une nouvelle fois très mal placé parce qu'il y a le bruit des trains, mais bon pour le prix que je l'ai payé, je vais pas cracher dessus. Et voici mon très très grand salon. Et histoire qu'on se fasse pas chier, eh ben écoutez, je vais inviter des personnes. Je vais inviter de la femelle. Voilà, on va inviter de la femelle. Ils sont... Où est-ce qu'ils spawnent? La femelle, vous êtes où? La femelle. J'ai dit que je voulais faire spawn de la femelle. Merde. Je peux faire... Mais ils spawnent où? Attendez, on va sortir parce que je voudrais savoir où est-ce qu'il spawn. Est-ce qu'il spawnerait en dessous? Non. Bah non. Si, ils doivent spawn en dessous en fait, je crois. Attendez, on va faire ça. Hop, object spawner, ped. Non, pas animal. Regardez. Oh, ils sont mignons, mes petits chats. Oh, ils sont trop mignons. Voilà, je fais aussi spawn des singes. C'est mes singes à moi. Voilà, c'est mes singes gurus du corps. Ah, mais fais chier. Je peux pas faire monter les femelles dans la maison. Parce que moi, je me sens un petit peu seul là-haut. Hein. Il y a un petit hélicoptère encore là-haut. Je voulais pas montrer, mais je vous montrerai plus tard. Par contre, il y a des vieux effets assez bizarres là sur la maison à cause du pollen. What the fuck? Mais qui c'est qui parle? Mais qui c'est qui a parlé? Qui c'est qui a parlé?
En fait, ça c'est ma piscine. Ah, ben voilà, je me disais bien qu'il y avait de la femelle. La femelle is here. Oh, mais c'est qu'il y a de la très très jolie femelle ici. Bonjour les coquines. Bonjour, alors. Qui c'est qui veut venir avec moi? Bah écoutez, histoire qu'on ait un peu plus la classe. Oh, mais vous en faites pas. Oh, je m'occuperai de vous après. On va prendre. Non, il est moche. Non, il est moche. Non, elle non plus. Anita. Non plus. Oh. Mais non, mais je voulais un mec assez stylé, assez baraque, assez beau. Scénario mal. Alien. Voilà. Là, j'ai la classe. Alors, vous voulez faire des choses avec moi, les coquilles? Non, t'as pas la classe, toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Y a pas pour voir le mec de la plage, ambiance mal. Ah, voilà. Ah non, pas toi. Non. 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 Ah! Salut les filles! Vous allez bien? On fait connaissance? Ah! Putain, ah, c'est dégueulasse. Ah, ah! Bon. On continue un peu dans la visite de notre maison. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai une piscine sans eau. Hein, voilà, c'est juste que ceux qui l'entretiennent, bah, ont décidé de pas mettre de l'eau parce qu'ils sont en train de s'en occuper. Le petit jacuzzi qui est cette fois lui rempli. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de tremper juste ses pieds dans l'eau. Mon gigantesque salon avec des plantes partout, vraiment magnifique. Et ma grande télé au cas où on veut faire une bonne petite partie de Call of Duty encore une nouvelle fois. Par contre, l'écran est un petit peu petit comparé à la taille de la pièce, quoi. C'est un petit peu ridicule, quoi. Mais bon, j'aurais préféré que l'écran soit plus grand, mais j'avais pas trop les moyens. Voilà, j'avais gagné au loto, mais j'ai tout perdu. Petit fauteuil, petite salle à manger, histoire de manger avec les potes. Par contre, je comprends pas l'utilité de cet arbre. Qui c'est qui a mis ça? L'architecte, je veux voir l'architecte. S'il vous plaît. La cuisine très très moderne et très stylée, avec la gazinière, des casseroles, des poêles, des frigos, un balai aussi. Et des couteaux. Pas prendre les couteaux pour les taper? Non, c'est pas possible. Oui, je vous sers quoi, madame? Un cocktail? Ok, c'est parti. Ah non, je déconne. Ah, oh, mais faut pas pleurer. Une autre salam. Mais, oh, putain, arrêtez de gueuler. Arrêtez de gueuler. Une autre salle à manger pour manger avec les potes, histoire de s'amuser un petit billard. Une magnifique terrasse avec une table de ping-pong et une magnifique vue sur la rivière. Un magnifique coucher de soleil qui passe à travers le pont avec la chute d'eau juste en dessous et tout. Enfin, c'est vraiment magnifique. Encore une nouvelle fois, un nouveau jacuzzi. Un petit barbecue tout au fond. Histoire, voilà, si j'ai envie de faire un barbecue avec mes potes. Tranquillement. Ah mais c'est vraiment magnifique, la vue est incroyable. Elle est incroyable. Et pour finir cette vidéo, je pense qu'on va sauter de là. Parce que c'est fait exprès, c'est un plongeoir. Mais j'ai encore d'autres choses à vous montrer. Ensuite, nous avons ici où il devrait normalement y avoir de l'eau, mais il n'y en a pas. Le coucher de soleil qui est juste derrière, qui est vraiment magnifique. Pareil ici, un petit endroit pour se relaxer. Voilà, pas de télé, admirer la vue. Et voilà, encore une nouvelle fois, un endroit télé. Cette fois-ci, ici, je pense qu'on y passera plus du temps pour jouer à la PS4. Excusez-moi. On se fera un petit Call of Duty ici. Et je trouve que ce sera pas mal. Bon, j'ai fait un petit peu le tour. Et ici, le coffre-fort où je garde mon argent. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. On va monter à l'étage pour voir ce qu'il y a. Oula. Là, j'ai marché sur une lampe, elle a cassé. Je veux bien comprendre que je sois fort et que je sois musclé, mais quand même. Alors, on rentre directement encore une nouvelle fois à une télé, mais ils sont à fond sur les télés, c'est incroyable. Je crois que les maisons sur GTA, ça, c'est que en rapport avec les télés. Ici, le petit toit, avec des panneaux solaires, voilà. Comme ça, moi, j'aime bien tout ce qui est écologie. J'aime pas trop gaspiller d'argent. Pourquoi tu me montes là-dessus? Une nouvelle terrasse histoire de s'amuser. Des tremplins là-haut pour donner de la classe. Et ma fameuse chambre avec une big télé devant. Comme ça, si j'ai envie de regarder un petit match de foot, je me pose dans le lit et au moins je peux faire un truc. Il y a quand même un petit défaut, c'est que le lit fait quand même 4 mètres de long. Donc je pense qu'on va pouvoir faire une grosse partouze à l'intérieur. Je vais inviter des femelles, mais bon, je peux pas les faire venir. Et là, je vous présente mes disques d'or. Parce que voilà, j'ai été une star dans le futur, mais. Dans le futur, dans le passé, pardon. Mais voilà, je voulais pas vous le dire. Ma salle de bain, vraiment magnifique. Par contre, c'est un petit peu
un petit peu à découvert quand même, hein. Et il y a une grosse suite, je crois. Il y a une grosse suite. Attendez, on va changer le temps parce que... Oh là là. On va changer aussi l'heure. On va mettre le soir. Ah, regardez comment c'est stylé là, avec ma petite baignoire. Même dans la baignoire, j'ai le droit à la télé. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup ce range. J'ai deux baignoires au cas où il y a une des filles qui voudrait se doucher avec moi. Miam, miam. Ici, de quoi s'amuser. Enfin, bref, cette maison est vraiment stylée. Ici, l'extérieur avec un nouvel hélicoptère et des personnes qui sont... Oh, mais qu'est-ce que vous foutez? Ah, mais voilà où est-ce qu'ils ont spawn mes femelles. Allez, venez dans le lit avec moi. Venez. Venez dans le lit. Voilà où est-ce qu'ils ont spawn toutes les femelles. T'es mignonne, toi. T'es mignonne. Oh, j'aime bien. Reste par terre. Je dis que tu devais rester par terre. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vais juste remettre... je vais changer le temps. Et je vais mettre... à la claire au soleil, j'irai me faire foutre. Et on va faire le petit saut. On va faire le plongeoir. Le plongeon de la mort. Bon, moi je prends un petit raccourci, voilà, c'est normal. Et attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Wouhou! Ah, vas-y, on essaye d'atterrir. Bon, j'étais un peu trop tard, mais je voulais essayer d'atterrir dans le bateau. Mais ça n'a pas réussi. On va monter dedans. En plus, il est déjà allumé. C'est super stylé. Il est déjà allumé et tout. Ah ouais, il est quand même la classe. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu la villa. Je rêve où le bateau, il a changé de couleur dès que je suis monté dedans. Bah écoutez, voilà un petit peu la villa. Bah, c'est pas vraiment une villa, c'est un ranch. Hein. Faut pas confondre villa et ranch. Je dis villa depuis le début, mais c'est un ranch. Je le trouve vraiment méga stylé. Implanter un truc comme ça directement dans GTA Online, ça serait vraiment super cool. Il y a pas mal de choses qui sont bien réalisées. Bon, je vous avoue que j'ai un peu délaissé certaines choses, surtout au niveau de la déco, hein, parce que normalement il devrait y avoir de l'eau dans la piscine, mais malheureusement il n'y en a pas. Et bah voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Je la trouve vraiment super belle et super stylée. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo de mod. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.